Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction le département de la Loire et plus précisément l'hippodrome de Saint-Galmier pour la troisième étape du Grand National du Trot. En ce mercredi 10 avril, voici ma sélection, sachant que j'ai accordé ma préférence aux chevaux, notamment aux 7 ans du premier échelon. A commencer par le 9, Santon, un cheval en pleine forme, en retard de gain. Notez que ses trois dernières sorties déférées des 4 pieds se sont soldées par autant de succès. Sachez également qu'il a déjà gagné corde à droite, qu'il est bien engagé au premier échelon. Il s'annonce dès lors redoutable. On lui posera le 6, Star de Villeneuve. Elle aussi, une jument préservée qui reste sur de bons résultats. D'ailleurs, elle a remporté 4 de ses 6 dernières sorties publiques. En outre, elle présente un excellent coefficient de réussite avec Jean-Michel Bazir. 3 succès en 5 associations. C'est une candidate au succès également. Le numéro 5, Service Secret, à l'instar des deux premiers cités, il est au mieux. On atteste sa récente victoire sur l'hippodrome de Chartres. Sachez également que le cheval est peut-être plus confirmé sur les parcours corde à gauche. Il n'a encore jamais gagné à droite. Cela dit, il fait partie des choix prioritaires de cette épreuve, a fortiori avec la drive d'Éric Raffin. Ensuite, j'ai retenu le 3, Ramsès Deschamps, un cheval qui aime courir caché, qui sait finir vite. Le cheval est au mieux. D'ailleurs, lors de son avant-dernière sortie à Bordeaux, eh bien, il a bien gagné, prouvant son aptitude à main droite, mais également sa forme. C'est également un cheval qui doit terminer dans les 5 premiers de cette épreuve. Donc le 9, le 6, le 5 et le 3, a priori 4 points d'appui, tout à fait recommandables. Attention également aux 4 Hulk Médoc, seul 5 ans au départ de cette épreuve, il fait partie des meilleurs trotteurs du sud-ouest du pays. Nul doute qu'il se déplace dans Centre-Est avec de sérieuses prétentions. Le 1 Quart de 26 qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. Attention à lui, il est déféré les 4 pieds pour l'occasion. Il ne faudrait pas être surpris de le voir venir pimenter les rapports. Le 8 Cookie Jet, il a pour lui sa régularité, sa forme, un bon engagement en tête. Nicolas Hensch n'a pas pour habitude de se déplacer dans la région à des fins touristiques. Méfiance. Le numéro 13, Rider de Tagore, c'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, c'est vrai qu'il semble barré pour le succès, mais s'il peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, sa fin de course l'autorise à briguer un accessite dans ce lot. Résumé chiffré, 9, 6, 5, 3, 4, As, 8 et 13. Suite du programme à Saint-Galmier, dont la troisième j'aime beaucoup, Alceste du Goutier. Deux courses pour lui, deux bons résultats, une première place et une deuxième place. On lui opposera le 303 à Rétuse, pas revu depuis ses débuts victorieux courant décembre à Borély, le 301 à Rétuse, le 303 hors du loisir, confié à JMB pour l'occasion et déféré des 4 pour la première fois. Le 304 à Darling, c'est la meilleure dans cette promotion dans l'écurie de Grégory Bouillet, en tout cas c'est ce qu'il nous a confié. Sachez qu'il n'était pas négatif à notre micro. Et le 305, c'est Alzan Delaroux à racheter. Lui qui vient de se montrer fautif après deux places de deuxième. Donc course ouverte, cette troisième, ma préférence, le 306. Alceste du Goutier. Dans la sixième, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Lurden, l'entraîneur de 607 Ségur des Bois, qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Le cheval reste sur deux places de troisième, il est en forme, il s'entend à merveille avec Nadine Després. Sachez également qu'il est bien engagé au premier échelon, sa place est logiquement à l'arrivée de cette épreuve. Je lui poserai le 605 Sinelli Star, en forme elle aussi, et restant sur de bons résultats en pareille société, et surtout confirmé à ce niveau. Le 613 Ciao Tempo, attention à lui, il est déféré les 4. Sachez également qu'il a déjà fait l'arrivée dans des lots de bien meilleure facture. Il semble ici en mesure de se rappeler à notre bon souvenir. Dans l'ordre du programme, 605, 7 et 13. Je termine avec la 7ème. Nous avons de bons U au départ, à commencer par le 701 Hulk de Banville. Un cheval estimé. Il reste sur 2 victoires à Saint-Galmier. 2 victoires convaincantes et autoritaires. Une confirmation est logiquement attendue. On lui opposera le 702 U de Dompierre, qui lui aussi est au mieux, comme en attestent ses dernières performances. Il ne cesse de truster les bons résultats. C'est un bon droitier. Il a déjà fait l'arrivée sur cette piste et sur cet anneau. C'est également un candidat au succès. Le 708 Ultra Marceau n'est pas un modèle de sagesse, mais c'est un cheval de qualité. Et s'il se montre sage, il peut parfaitement accompagner le 701 et le 702. 701, 702, 708. Course ciblée à Saint-Galmier, 3e, 6e et 7e. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.